Moi, je m'appelle Guillaume Foucault, je suis responsable logistique au sein d'ImaProtect. Pour ImaProtect, c'est primordial de réduire l'empreinte carbone. À ce titre, on a plusieurs circuits de recyclage que l'on a mis en place, comme par exemple, à chaque fois qu'il y a des maintenances chez nos clients, les installateurs retournent le matériel qu'ils ont déposé. Ces matériels, ils sont soit testés et reconditionnés dans 85% des cas, soit ils sont réparés ou upgradés par le fabricant, soit ils ne sont pas réutilisables, on les met au rebut. On travaille avec des partenaires locaux, notamment avec un organisme auquel on adhère et qui en fait fait la collecte, le tri et le recyclage des piles et batteries. Pour vous donner un ordre de grandeur, en 2023, c'est à peu près 11 tonnes qui sont récupérées auprès de nos installateurs. Qui dit reconditionnement dit besoin en carton de réemballage. On fait appel à un fournisseur qui est agréé FSC, c'est-à-dire qui garantit la gestion éco-responsable des forêts. Et pour nous, c'est important puisqu'on leur achète multitude de cartons pour le réemballage des produits. Ça fait plus de 10 ans que l'équipe logistique ImaProtect travaille toujours avec ces préoccupations en tête d'avoir un modèle vertueux puisqu'on est sensible aux enjeux écologiques actuels.